Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, le couple de mécènes Ernest Cognac et Marie-Louise Jay a réuni de nombreux objets d'art du XVIIIe siècle, découverte aujourd'hui de leur musée. L'architecte d'intérieur Bruno Borion prône un design libre et décomplexé et assume des matières de caractère. Nous l'avons rencontré. Invité par le maître du style Jean-Paul Gaultier, Glenn Martens réinvente la pâte couture de la maison dans un défilé tout en modernité. Sur la tête, le torse ou le visage, poils et cheveux sont tissés par l'atelier Perruque qui nous fait une démonstration de leur savoir-faire. Avant de rencontrer l'architecte d'intérieur Bruno Borion, tout de suite, point de vue. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, sauf quand Pierre Soulages met un grand coup de pied dans le monde de la couleur. C'est en 1979 que l'artiste expérimente l'outre-noir. Au cours d'un travail sur une toile, il se met à ajouter du noir, à en retirer, pour finir par se noyer métaphoriquement dans cette teinte. Il sort désemparé de son atelier avant d'y revenir quelques heures plus tard, en ayant la sensation que cette expérience marquerait à jamais sa carrière. Cette première toile sera le point de départ d'une longue série. Si la place de l'homme dans la société n'est plus à faire, celle de la femme a toujours été un combat quotidien. Talentueuse et déterminée, certains ont su se frayer un chemin dans un univers longtemps réservé à l'autre sexe, la joaillerie. Libre et créatrice revient sur le parcours de femmes comme Loulou de la Falaise, Elsa Peretti ou encore Suzanne Belperron, qui ont su s'imposer et réinventer l'art du bijou, marquant à tout jamais la discipline. De véritables joyaux de la création du XXe siècle. Le poète et artiste Jean Cocteau n'est plus à présenter, tellement il a marqué l'histoire avec un grand H. S'il déclare un jour « la poterie m'a sauvé la vie », nous, on peut répondre qu'il a illuminé la nôtre, avec une collection de céramiques aux lignes épurées reconnaissables entre toutes. Il crée d'abord une collection de 300 pièces et c'est ensuite Reynaud en 1983 qui édite trois de ses motifs, inspirés des mythes et de la féerie. 35 ans plus tard, on remet le couvert avec des nouveaux designs toujours plus enchanteurs. Mobilier, tableaux, sculptures ou orfèvrerie, le couple Cognac-Jay a constitué une collection d'œuvres riches en fantaisie, témoin du raffinement du XVIIIe siècle. Vous voyez ici réunis les plus grands artistes du XVIIIe et c'est l'apogée d'un art dont le raffinement est inégalé. Le musée Cognac-Jay, abrité dans l'un des plus anciens hôtels particuliers du Marais à Paris, reflète le goût du XVIIIe siècle. La France est alors une capitale créative et commerciale qui attire les plus grands artistes. Les tableaux, le mobilier, l'orfèvrerie qu'on découvre entre ses murs ont été rassemblés par Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, un couple de commerçants et de mécènes au XIXe siècle. Parmi les bijoux de la collection, on retrouve les œuvres de François Boucher, qui a notamment été le premier peintre du roi Louis XV. Ici, c'est le repos des nymphes au retour de la chasse. C'est une scène mythologique qui représente Diane au bain, accompagnée de ses trois compagnes. On est au XVIIIe, plutôt dans cet esprit joyeux, décoratif et sensuel. Et donc, tout est prétexte à montrer la sensualité. Il y a une certaine forme d'érotisme qui se dégage de ce tableau. Ce que l'on peut remarquer, c'est la démarcation, en fait, la ligne brune, chantournée. C'est un tableau de chevalet, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque cette œuvre a été réalisée par Boucher pour orner des dessus de porte et surtout pour être insérée dans les boiseries d'un hôtel particulier. La peinture de l'époque sert aussi de carte postale rapportée par les élites françaises et britanniques pour se rappeler leur séjour en Italie. Antoine Canaletto est l'un des peintres qui se distingue pour ses Veduta. Les Veduta, c'est des vues topographiques très documentaires de la ville. Là, il se trouve que c'est Venise. Au XVIIIe siècle, ces jeunes élites européennes partaient pour le Grand Tour. Alors le Grand Tour, c'était le voyage initiatique pour parfaire leur éducation, et notamment en Italie.
il souhaitait conserver de ce séjour un témoignage, un souvenir de la Venise de cette époque. Celui-ci a été commandé par l'ambassadeur anglais, Sir Smith. Mais l'art au XVIIIe siècle se déploie aussi au-delà de la peinture, dans un goût prononcé pour les meubles raffinés, comme cette table de l'ébéniste de Louis XV, Jean-François Eubén. L'œuvre est en marqueterie de citronnier et d'amarante, sur un bâti de chêne, et ses courbes galbées sont typiques de l'époque, de même que ses mécanismes cachés. On peut tirer ce plateau qui permet d'avoir une plus grande aisance pour écrire. Et à l'arrière, vous avez un tiroir secret qui révèle un écran que je vais déployer. Et donc cet écran, on a émis l'hypothèse qu'il permettait de protéger l'usager de la lumière émise par le foyer d'une cheminée ou d'une fenêtre pour être plus à son aise pour écrire. Le goût du détail se retrouve aussi dans les objets de vertu qui s'offraient en gage d'amitié ou d'amour, comme en attestent ses inscriptions et ses visages. Ornées de pierres précieuses, ces pièces révèlent la virtuosité et l'ingéniosité des orfèvres de l'époque. Un des chefs-d'œuvre de cette collection, c'est un étui à parfum, un petit pistolet. Et quand vous actionnez le mécanisme ici, vous avez les pétales de fleurs qui ornent le bout du canon, qui se déploient et qui laissent apparaître le pistil de la fleur percé de trous qui permettent de diffuser le parfum. Autre surprise, ce monument funéraire miniature dédié à Ninette, un animal de compagnie. Une pièce qui reflète, comme beaucoup d'autres, l'atmosphère d'intimité et de fantaisie du musée Cognacq-Jay. Architecte d'intérieur et ébéniste de formation, Bruno Borion nous reçoit aujourd'hui pour un portrait rock'n'roll. Moi, je dirais que la meilleure partie dans mon projet, c'est quand je mets la feuille blanche sur ma table. C'est ce moment-là qui est le moment où tout est possible, tout va arriver. Entre ce moment-là, qui est le point de départ et le but final, là, il n'y a aucune limite, tout est ouvert. Architecte d'intérieur à la créativité libre et éclectique, Bruno Borion s'est longtemps nourri au contact de grands acteurs de la création, comme Philippe Starck ou encore Jan Schrager. C'est en 1993 que l'homme de l'ombre prend du galon et lance sa propre agence de design, pour laquelle il multiplie depuis les projets à travers le monde. Ce que j'aime faire en architecture intérieure, principalement, c'est de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, c'est un terrain de jeu sans fin, qui parle de rencontres, qui parle de confrontations, qui parle d'appréhension de son environnement. Donc c'est tout ça, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, et je trouve que c'est des sujets qui sont loin d'être épuisés. Ainsi, de l'Amérique latine au Moyen-Orient, en passant par Londres et Miami, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. Volontairement ou involontairement, j'ai toujours eu pour goût ou pour envie de faire en sorte que les projets ne se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans un style. Parce qu'un hôtel à Paris, dans le 5e arrondissement, c'est pas le même qu'un hôtel au Touquet, qu'un hôtel à New York ou qu'un hôtel à Rio de Janeiro. C'est donc en se confrontant à d'autres cultures et bien entouré des nombreux arts qui le passionnent que Bruno Borion s'est forgé au fil des années une personnalité artistique qui ne manque pas d'audace. Carlo Molino, un architecte italien du milieu du 20e siècle, pour moi ça a été vraiment une révélation quand j'ai découvert son travail. Et après, un architecte américain qui s'appelle Maurice Lapidus, qui a beaucoup œuvré à New York et à Miami, et dans un genre totalement fantasque, hétéroclite. On feuillette le livre, on se dit, mais comment il a pu avoir des idées pareilles ? Et moi, c'est toujours ce qui m'intéresse un peu, les gens qui sortent de la norme.
Et pour stimuler à son tour sa créativité, Bruno Borione a ses petites astuces pour se forcer à sortir de sa zone de confort. Typiquement, ce que je fais assez souvent quand je travaille, c'est que je me force à tourner le plan, comme ça au moins. C'est une petite gymnastique qui fait que je ne tombe pas dans des automatismes ou, qui pourraient me satisfaire. Donc j'essaye toujours de me mettre dans une situation inconfortable, entre guillemets. Et de même que je fais aussi un truc, c'est que dès que j'ai besoin de mettre de la couleur pour des raisons XY, je fais exprès de mettre des couleurs qui n'ont rien à voir avec le projet final. L'idée, c'est de dire, je réfléchis sur le fonctionnement, sur les proportions, etc. Je ne réfléchis pas sur les couleurs. Donc, ne te laisse pas avoir par des couleurs qui pourraient t'abuser. Voilà. De ces dessins exigeants naissent des espaces pensés dans les moindres détails, comme ce spa luxueux à l'hôtel Aubusson à Paris, où l'ancien ébéniste diplômé de l'école Boulle a su tirer parti de certaines propriétés du bois pour créer un ensemble en sous-sol à la fois paisible et lumineux. C'était un travail qui était assez présent depuis le début, qui était cette idée de dire on va réintroduire du bois aussi pour amener un petit peu de chaleur. Et puis, on se trouve confronté à un problème qu'il faut résoudre, à savoir que dans une piscine, on a toujours beaucoup de réverbération, parce qu'on est dans des matériaux durs, du carrelage, il y a de l'eau, il y a un plafond. Et le travail de ces lames de bois, c'était tant à la fois esthétique que pratique, puisque ces panneaux sont des absorbants acoustiques. Et le fait de remettre des miroirs partout augmentait cette trame comme ça un peu à l'infini, ce qui donnait un espèce de jeu, une architecture sans fin qui se prolongeait au-delà des parois. C'est vraiment la pièce qui remporte tous les suffrages de tous les clients, sans aucune exception. Moi, j'avais donné un petit peu les attentes qu'on avait par rapport à l'exploitation à venir du spa. Et ça a complètement été respecté par Bruno, qui nous a fait une offre qui tout de suite nous a convaincus. Je crois qu'il n'y a pas eu deux essais de présentation. Le premier a été le bon, et c'est celui, peu ou prou, qu'on a aujourd'hui sous les yeux, et qui est une réussite. Paris gagné donc pour cet inclassable créatif qui sait aussi bien manier la rigueur classique que son sens du rock'n'roll. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, l'une des multiples qualités d'un architecte, c'est, devant une page blanche, de savoir faire le vide, de tout oublier pour pouvoir recommencer et inventer un nouveau projet. C'est vrai que c'est un exercice assez intéressant comme un animal peut muer, de se débarrasser de son ancien projet comme une peau morte pour pouvoir recréer et rebondir sur un nouveau projet. Oui, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Bruno, vous avez fait l'école Boulle, puis vous avez fait des rencontres avec Philippe Starck, Ian Schrager ou encore Jean-Michel Villemotte avant d'ouvrir votre propre agence. Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres ? Je dirais que Philippe Starck m'a apporté cette capacité à toujours inventer quelque chose, quelles que soient les contraintes. C'est-à-dire que la contrainte, c'est un moteur pour la création. Jean-Michel Villemotte, là, j'ai appris la méthode. Parce qu'on ne gère pas une agence de 40 personnes comme on gère une agence de 4. Et je dirais que Schrager, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un qui a quand même inventé un métier, celui d'hôtelier, au XXe siècle. J'ai dû passer 10 ans à ses côtés, ça a été 10 ans que je ne pourrais pas résumer tellement c'était riche et enrichissant. Vous avez ouvert donc votre propre agence. Quel était le moteur pour se dire, voilà, moi je me lance tout seul maintenant, je suis indépendante? Alors, je dirais que c'est une construction qui se fait pas à pas, dans le sens où, à un moment donné, quand on est sorti de l'école, moi, je n'avais pas le recul suffisant ou la connaissance suffisante de ma profession pour pouvoir dire « j'ai envie de faire ce genre de projet ». Ça, je n'étais pas capable. Je n'avais pas cette faculté d'analyse. Et c'est en me frottant à tous ces personnages où je me suis dit petit à petit, année après année, tiens, là, moi, j'aurais pas fait ça. Mmh. Ou je l'aurais fait différemment. Ou tiens, ça m'a donné une idée pour faire ceci ou pour faire cela. Et puis petit à petit, quand vous trouvez confronté à ces personnalités fortes, ben, vous, inévitablement, vous dites, bon, maintenant, il est temps que
je prenne en main mon avenir et que je fasse des projets qui sont le reflet de ce que je pense. Voilà. Vous avez dit une fois dans une interview que si vous n'aviez pas été architecte, vous auriez pu être historien. Oui. L'histoire est un socle pour chaque nouveau projet, en quelque sorte. Moi, je pense toujours que regarder en avant sans avoir regardé en arrière, c'est un peu difficile. Avant de faire table rase, il faut quand même savoir ce qu'il y avait sur la table. En plus de ça, il se trouve que j'enseigne. J'essaye de faire en sorte justement que toutes ces jeunes générations puissent tant à la fois se confronter au passé, mais aussi développer leurs outils pour nous assurer un futur joyeux. Donc justement, je voulais en venir vous enseigner à l'école Camando. Mm-hmm. Et bien sûr, il y a le côté technique de l'architecture d'intérieur, mais au-delà de ça, voilà, vous leur transmettez quoi à ces élèves ? Quelles sont aujourd'hui les valeurs de votre Alors, métier ? Fort de mes expériences d'enseignement, puisque ça fait 5 ans que j'enseigne maintenant, et de mon expérience d'architecte d'intérieur, je crois que ce qui fait quand même la différence, c'est d'avoir des idées. La technique, on l'acquiert. Quoi qu'on fasse, on l'acquiert à un moment donné. Mais il y a quelque chose qui est quand même difficile à enseigner, c'est être créatif. Et c'est vraiment un axe sur lequel j'insiste auprès de mes élèves. Ayez des idées en permanence. Même si vous pensez qu'elles sont mauvaises, même si vous pensez qu'elles sont en rupture avec la doxa ambiante, allez-y. Permettez-vous n'importe quoi. Merci Bruno. Merci. Invité à imaginer une collection haute couture pour Jean-Paul Gaultier, Glenn Martens mêle son univers subversif au classique du grand couturier. Lorsque se croisent le maître incontesté de la couture française et l'une des figures les plus subversives de la nouvelle génération, quelque chose de magique s'opère sur le podium. Corset rétro, robe couleur chair, tissu à perte de vue et théâtralité maximale, nous sommes bien chez Jean-Paul Gaultier, mais vu par le créateur belge Glenn Martens. À la tête du label Y Project et directeur créatif de la machine Diesel, il est, à moins de 40 ans, l'un des noms les plus respectés de sa génération. Reconnu pour ses collections ultra créatives et ses expérimentations folles, c'est notamment chez Jean-Paul Gaultier que ce jeune favori de la mode a fait ses armes. Alors, quand ce dernier l'invite à dessiner une collection en son nom, en réinterprétant les archives de la marque, Glenn Martens répond présent. Car c'est désormais la coutume chez Jean-Paul Gaultier. Quand il a pris sa retraite en 2020, l'enfant terrible de la mode n'a pas fermé sa maison, il en a au contraire ouvert les portes. À des amis créateurs qu'il respecte comme Chitos AB, ou à des maisons émergentes comme Le Court Mention. Une manière de faire vivre son héritage de façon dynamique et de laisser à la nouvelle garde la place qu'il a lui-même longtemps occupée. Chaque saison, une nouvelle personne prend ainsi les rênes de la collection haute couture et Glenn Martens se prête à l'exercice pour l'automne-hiver 2022. Il choisit de revisiter la marinière, mythique dans l'imaginaire de Gaultier. Il la réinterprète dans un jeu de motifs et de matières. Les rayures se dessinent dans une accumulation de zèbres cinétiques ou dans des bandes de tulle en superposition. Il travaille également le corset, pièce phare de l'histoire de Gaultier qu'il déconstruit pour le traiter en col roulé ou en robe conceptuelle. La collection dresse des parallèles entre l'univers de la maison et ses créations Y Project, où il aime travailler la maille et le dénim. Le résultat est ultra-moderne et propulse l'aura traditionnelle de la haute couture dans une veine presque futuriste. Ici, la nostalgie n'a pas sa place. On retrouve bien l'héritage de Jean-Paul Gaultier, sa mode grandiloquente, tout en posture dramatique et en démonstration de construction. Mais la collection est ancrée dans son époque, celle du toujours plus grand et toujours plus extravagant. Les robes volumineuses frôlent le public sur leur passage et invitent au toucher, une haute couture qui assume l'exagération avec une note d'ironie.
En s'effaçant pour laisser la place aux jeunes créateurs d'aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier a peut-être eu l'idée la plus moderne de sa carrière. Entre les mains de Glenn Martins, sa maison paraît plus actuelle que jamais et laisse penser qu'elle pourrait continuer de nous étonner pendant des décennies encore. Les perruques ne sont pas forcément des choucroutes à la Marie-Antoinette. Aujourd'hui, on découvre un atelier qui fait perdurer les gestes des perruquiers. On peut dire que c'est un peu du trompe-l'œil aussi. C'est-à-dire qu'on met en place des choses qui sont complètement fausses, qui sont fabriquées entièrement. Et à la fois, il faut trouver des petits points qui font que aucun moment on puisse se douter qu'on soit là. Nous, l'idée, c'est d'être là, mais personne ne nous voit. Et c'est caché dans le 11e arrondissement de Paris que la magie du trompe-l'œil opère. Depuis des années, Guylaine collabore dans de nombreux films pour créer les perruques les plus adéquates, comme par exemple celle-ci, tout droit sortie d'un célèbre village gaulois. Mais là, ce qui se passe ici, c'est un mélange à la fois de cheveux, de crins, de yak, de mohair. Là, quand je vous le décris techniquement, effectivement, on se dit, c'est beaucoup. Mais en tout cas, l'énergie qui en sort de ça, c'est qu'il est doux et énervé. Et effectivement, ce n'est pas le metteur en scène qui demande. C'est inévitablement, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de notre travail à cet atelier, de proposer justement des matières ou des manières de faire qui soutiennent tout ça, toute cette histoire. Une fois la lecture du scénario et la rencontre avec l'équipe du film faite, Guylaine peut commencer à penser la confection de sa perruque. Et cela commence bien évidemment par le choix du cheveu. Alors là, vous pouvez voir les cheveux donc, qui sont notre matière première, qui sont des cheveux européens, bien évidemment, pour faire des Européens. Les cheveux, pour qu'ils aient 30 ou 40 cm, ça veut dire que ça fait 3 ans ou 2-3 ans sur la tête de quelqu'un. Donc ça veut dire que déjà, il y a toute l'usure ou la corrosion ou la couleur qui a viré, qu'on invente aussi des fois, qu'on réinvente, et qui raconte donc une histoire. Là c'est dans un réalisme de couleur qui est formidable. Donc, parce que le cheveu est un peu usé, le cheveu est un peu plus clair, il y a plein de nuances. Et ça déjà, ça nous aide à nous rendre crédibles, en fait, à vraiment être juste. Ces réflexions artistiques laissent ensuite place à la réalisation. Guylaine a transmis sa passion pour les perruques à ses assistants perruquiers et stagiaires. Audrey, qui termine un front, maîtrise le geste et les outils depuis 5 ans. On a vraiment besoin de peu de choses. On a principalement donc des crochets. On va avoir différentes tailles en fonction du nombre de cheveux et ce qu'on va faire. Par exemple, c'est 2 crochets, j'en ai un pour un cheveu et l'autre, ça va être 2 à 4 cheveux. Sinon, voilà, de base, un ciseau, une brosse, ce qui nous permet de surtout les démêler au fur et à mesure, mais aussi de replacer les cheveux comme ça dans le tombé naturel pour voir si au niveau des directions, on obtient le tombé qu'on souhaite et surtout au niveau de la densité, si on a une bonne densité de manière générale. Voilà. Et après, évidemment, la carde où on va avoir nos différentes couleurs. Du coup, là, je vais me préparer ce qu'on appelle une pincée. Donc, je vais faire mon mélange de couleurs dans ma pincée. Donc là, mes poupées de pincée sont positionnées de telle manière que je sais où sont les racines de la pointe du cheveu. En fait, c'est hyper important, car comme le cheveu est fait d'écailles, on a besoin de savoir dans quel sens est le cheveu. Parce que si on l'implante dans le mauvais sens, notre perruque va sans cesse s'en mêler. Et elle sera incoiffable, en fait. Cheveux par cheveux, poil par poil, l'illusion se crée. Au-delà des perruques de toutes sortes, l'atelier réalise aussi bien des moustaches, barbes ou autres poils de torse. Si la technique reste toujours la même, les temps de réalisation varient entre quelques heures et plusieurs jours. Chaque perruque est différente en fonction de la demande. C'est-à-dire qu'on va, au niveau de la densité, on ne va pas être sur la même chose. Pas spécialement sur la même chose, pas les mêmes mouvements, pas les mêmes directions. Au niveau de la couleur aussi, on ne travaille jamais qu'avec une seule couleur. On va être sur 2 minimum, des fois ça peut aller à 4 couleurs. On n'aura jamais la même couleur en partant de la nuque jusqu'en haut. On va toujours on va essayer de jouer sur les contrastes, c'est ce qui rend la perruque vivante et réaliste. Puis on n'implante pas juste une perruque, on réfléchit en permanence à ce qu'on est en train de faire. À quel résultat on va obtenir. Si on prend telle maille à tel endroit, qu'est-ce que ça va donner. Et pour justement créer
du vrai avec du faux. Les mouvements de la perruque définis à l'avance prennent vie et se réalisent au fur et à mesure des tours de crochet. Un travail tout en quiétude et en minutie. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!